Je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? 60 nationalités sous un même toit, pour partager une messe, des ateliers, un repas. La fête des peuples a donné lieu à des échanges chaleureux entre humains des 5 continents. Partager avec les autres, c'est très important pour la vie. Et une fois par an, nous, on fait le repas pour partager avec eux et partager avec tout le monde. Une joie unanimement partagée, si l'on se réfère au visage des participants et de la centaine de bénévoles impliqués. Son truc à lui, c'est le mime sonore. Et participatif. À chaque spectacle, Julien Cottereau fait monter des gens sur scène. Les collégiens de Tourotte et Ribécourt sont ainsi devenus ses partenaires le temps d'une représentation. Il les invite à lâcher prise et à sortir de leur rôle social habituel. Certains trinquent pour fêter l'événement et d'autres dansent tout simplement. La plupart sont déguisés et montés sur des chars, avec pour principe général de jeter sur vous bonbons et autres confettis. À la question « qu'est-ce qui vous motive à faire tout cela ?», la réponse est « mais le carnaval, la fête, c'est génial !» La fête, il fait beau ici, il fait beau, non? Entre boîte aux lettres et ascenseur, une lumière qui s'éteint toutes les 3 minutes, on est bien dans une cage d'escalier. Les spectateurs sont en chaussons, tout juste sortis de leurs appartements ou venus spécialement d'un immeuble du quartier pour assister au concert. De petites mains qui explorent le son du tambour, sa griffe, sa caresse, sa frappe, sa joue. C'est une façon de communiquer autrement. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Drôle d'ambiance à Compreignac. On appelle ça des canicrosseurs. Sur la place de l'église, les coureurs se préparent donc à courir 9 km avec leurs chiens, des animaux forcément un peu nerveux avant le départ. On se marche un peu dessus, mais pas de casse au moment du départ. Les coureurs ensuite prennent leur rythme. Tous sont unanimes, c'est vraiment pas facile. T'as pas envie trop de rester quand même, hein? Oh, mais c'est trop bien. Pour rigoler, c'est pas mal. 13 degrés, c'est chaud, hein? En hiver, c'est jamais arrivé.